Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous, l'on laisse ça sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons une vidéo sur chaîne là, qui a une information sans problème. Certains poids ces derniers jours dans la presse internationale, peut-être à cause niveau dégradation qui paraît avec gros levé campé qui fait après gouvernement fin monté prix gaz là plus passé 100%. Ça fait un pile débat dans niveau international et thème haïtien vient paraître parmi gros crises cap secoué le monde. Et 18 septembre nan, parmi principal sujet, journaliste France 24 à Radio France Internationale t'est posé secrétaire général Nations Unies question sou yo, eh bien t'est gagné Haïti. Une interview côté Antonio Guterres t'est parlé pourtant seulement pendant moins passé demi-temps. Mais c'est dans la presse américaine intérêt apparaît puis manifesté pour ça qui a passé en Haïti. Médias américains ont abordé sujet à temps en temps, surtout devant Assemblée générale l'ONU, président américain Joe Biden t'es dit deux mots sur ça qui a passé la Kainou en Haïti, sous miche en crise qui a brassé Bill pays ça dans discours officiel. Dans l'événement jeudi, on a regardé quelques aspects dans façon sujet Haïti apparaît dans la presse américaine et puis une petite crasse dans la presse canadienne. Souligne le rôle que les élites haïtiennes qui continuent d'activement déstabiliser la population et la situation en Haïti doivent jouer pour créer, pour participer eux-mêmes à créer une stabilité, un consensus politique qui va bâtir un avenir plus fort pour la perle des Antilles. Le Canada et la communauté internationale intervient de différentes façons en Haïti. Le Canada était là pour former et accompagner les policiers. On était là avec des missions humanitaires de l'ONU et d'autres. On était là pour reconstruire des institutions et aider, comme bien d'autres pays l'ont fait. La réalité que la seule piste pour Haïti, c'est de voir les Haïtiens eux-mêmes décider de bâtir un avenir plus fort pour tous les Haïtiens. Extrait audio que nous fait tendre là, c'est Premier ministre canadien Justin Trudeau qui t'a rencontré la presse l'autre jour dans Nations Unies New York dans occasion Assemblée générale l'ONU. Il t'a parlé sous crise pays d'Haïti et puis sous initiative au niveau États-Unis à Canada apprend en rapport avec situation ça. C'est vraiment rarement exceptionnel que nous voyons ça, une déclaration en français sous site un journal américain tant que Miami Herald. Nous connaissons comment le journal américain ça suivre question qui concernait ça qui a passé en Haïti, mais nous observer crise en Haïti. D'abord, on vient sous contexte haïtien qui montrait pays a dégringolé sans arrêter et puis rapide l'an dernier jour ça une situation plusieurs pays dit qui bayo tête chargée. Et donc Haïti vient une grosse question au niveau de la diplomatie internationale, Conseil sécurité Nations Unies même te prévoit faire une réunion sous ça 26 septembre à New York pour justement aborder crise ça. Une consultation qui te doit faire tout à huis clos après réunion que la Chine sollicitait pour capable discuter sous troubles qui gagnent dans le pays d'Haïti, troubles qui viennent plus intenses chaque jour, puis plus après augmentation 100% prix carburant, double fois la valeur le 14 septembre, Jean gouvernement haïtien fait. Jusqu'à présent, on te connaît que États-Unis t'a préparé pour mettre en circulation 26 septembre une résolution au niveau Conseil Sécurité Nations Unies pour capable établir un cadre pour prendre des mesures contre chef gang yo dans le pays d'Haïti. Et la résolution, ça a tout, la démarche États-Unis, pour le moment, ils n'ont pas écarté même une éventuelle intervention internationale, d'après sa secrétaire d'État adjoint américain aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, fait by Miami Herald. Administration Biden nan li espérer que y a arrivé adopter résolution ça rapide, c'est ça Nichols était déclaré. Nous songez que en décembre 2020, département Trésor aux États-Unis t'est prend gros sanctions contre chef gang Jimmy Cherizier et deux anciens membres dans le gouvernement ancien président Jovenel Moïse là parce que d'après ça que dit yo t'es impliqué dans massacre qui était fait dans la Saline en 2018, la Saline dans Port-au-Prince, et c'est des dizaines de morts qui t'es gagné d'après ça journal l'a dit. Miami Herald soulignait tout que malgré sanctions ça yo t'es prend et bien et malgré tout Conseil Sécurité Nations Unies t'es condamné massacre ça yo. Eh bien, Cherizier, il continuait à circuler librement, c'est ça, journal l'a écrit, et puis il mettait pied sous coup capital là avec gang li, grâce à coalition que li gagnait, qui gagnait en pile gros zam lan men yo, qui relait G9 en famille et alliés. Membre Conseil Sécurité Nations Unies, yo Antonio sous gros défi qui devant pays mais yo pas gagné même opinion sous façon pour ta fait pour yo joindre solution. 15 juillet nous songez la Chine t'est a fait en pile démarche pour yo ta capable camper approvisionnement zam pour gang yo dans pays d'Haïti et même yo te mandé yo embargo, mais Conseil de sécurité a pas trop excellence ça pour le aller et il était juste reconduit mission politique li gen en Haïti en binu même si Pékin t'est voté pour prolonger mission hein, mais il t'est quand même gagné déception peut-être toute proposition il t'est fait yo t'est rejeté et gagné observateur qui pensait que consultation qui était douée faite à huis clos jour 26 septembre là, eh bien, yo t'a doué by possibilité pour discussion ça au fait sous disposition pour yo river prend en face gens situation a dégringolé net dans le pays d'Haïti. Yon article qui paraît encore en Miami Herald 23 septembre fait connaître que l'administration américaine a fait gros pression pour capable gagner des sanctions sévères que l'ONU prend contre dirigeants gang yo dans le pays d'Haïti. D'après sa journal rapporté, résolution a créé un cadre côté Nations Unies capable d'arriver prend des sanctions importantes contre chef gang yo ensemble avec tout le monde qui soutient yo et qui facilite yo joindre zam avec l'argent. C'est ça, secrétaire d'État américain aux affaires de l'hémisphère déclaré by Miami Herald. Il précisait que sanctions ça yo tap ciblé ressources l'argent moun ça yo gagné et puis possibilité pour yo voyager. Il n'est pas précisé si c'est voyager aux États-Unis spécifiquement ou bien voyager à travers le monde. Gouvernement haïtien, d'après ça qui dit, presque perdu contrôle, situation nette en matière de sécurité et responsable américain dit que pays arrivé là au niveau crise yo pas jamais depuis année 90 yo prend exemple question gaz là que chef gang Jimmy Cherizier prend en otage avec plus passé 188 000 barils gaz qu'il a et il bloqué accès, il pas voulu que yo al prend gaz là dans terminal pétrolier Vaoué. Journal là reprend ça qui dit dans vidéo qui circulait dans réseaux sociaux. Côté Jimmy Cherizier campé zam à la main, l'a adressé à Ariel Henry et il dit que wap rive dans terminal ça c'est celle-ci ou touye nous, c'est là nous mourir wap ka rentrer là-dedans. C'est ça monsieur t'a dit. Voisin pays d'Haïti yo même yo souhaité que États-Unis intervenu avec une action forte ensemble avec l'autre membre permanent l'en conseil de sécurité a pour faire face à situation ça au moins gagne là d'ailleurs c'est République dominicaine qui lui même demandé publiquement pour gagner une force multinationale de maintien de paix qui retournait en Haïti 13 ans plus tard parce que lui dit que gagne instabilité avec violence qui a pris pied net en Haïti avec gang yo et ça c'est une grosse menace liée pour toute région. Brian Nichols dit si gouvernement haïtien lui-même l'État mandé aide ça bon côté parle et bien communauté internationale là t'a envisagé pour yo répondre demande ça mais il dit pour qu'on y ait autorité haïtienne yo pas fait demande ça bon côté communauté internationale. L'autre déclaration importante Miami Herald te rapporté c'est ça qui sorti l'embouche Juan González directeur principal Conseil de sécurité nationale pour l'hémisphère occidental et puis assistant spécial président Joe Biden qui fait connaître que manifestation qui était faite en Haïti, manifestation qui était plongée Haïti dans crise la vie plus grave, eh bien c'est des manifestations que des acteurs économiques financés parce que ils ont perdu $400 millions, ils ont besoin si gouvernement a décidé subventionner gaz là et avec augmentation prix gaz là que le fait l'autre jour et bien gouvernement li fait main à faire subvention ça qui t'a fait que moun sa yo t'a perdu l'argent d'après Juan González souvent fois c'est des moun qui même pas vivent en Haïti qui gen bel caillou à l'étranger dans les différentes parties du monde et puis cap payer moun nan pays d'Haïti pour faire yo al manifester. C'est ça González dit. Li pa dit qui est moun qui c'est puissant acteur sa yo la parler de yo. Cependant, li fait connaître que c'est pas première fois que moun sa yo entré en action. Li rappelé que en juillet 2018, le Jovenel Moïse t'es tenté augmenter prix gaz là et bien t'es une grosse manifestation avec violence qui t'est faite pour Juan González c'est même moun sa yo qui t'a agi. De l'autre côté monsieur parlait de élément gang là il dit c'est un élément qui a évolué sérieusement en Haïti et qui bat en pile tête chargée gang yo pas de jambes puissant comme ça d'après ça monsieur fait connaître. Et il dit tout que l'en ça concerné Haïti, je dis a pas gagné solution qui facile. Il parlait sous orientation États-Unis à suivre États-Unis qui d'après lui avant était concentré sous élection comme résultat mais je dis a il dit que États-Unis concentré plus sous dialogue que haïtien doit faire entre eux parce que si élection faite l'enjeu situation yé kounien li ka abouti n'a présumé dans crise même gens ça t'est passé dans l'autre élection qui t'est faite avant côté où t'es gagné très peu de monde qui t'est al voter et le poser tête les questions est-ce que le ça l'élection passée comme ça ou river véritablement gagner une légitimité. Question élection, c'est une question Hélène La Lime, représentant secrétaire général l'ONU en Haïti et chef BINU t'est abordé dans interview le bail CNN pour un article qui paraît le 15 septembre passé. Côté li dit tout que l'ONU part en Haïti pour tout temps. Hélène La Lime déclaré by CNN objectif li, c'est pour aider gouvernement Ariel Henry arriver dans un consensus avec dirigeants opposition, avec société civile là, pour être capable commencer à préparer élection. Il dit que le processus l'a déjà commencé, dialogue là, depuis l'année passée, après l'assassinat Jovenel Moïse, et gagné en pile lenteur dans le processus dialogue ça, d'après Hélène La Lime. Il dit tout que nous gagnons en pile travail pour nous faire, pour nous capables d'arriver rendre les possibles pour élection faite dans le pays d'Haïti. Il faut nous arriver à joindre un consensus pour que gagner un conseil électoral qui est capable d'établir. Après ça, il dit qu'il fait pour travail sur une constitution, soit il révisé la constitution ou bien il écrit l'autre constitution, et puis qu'on y a là ou pral gagner élection que yo organisé en Haïti. C'est ça la Lime déclarée by CNN dans premier interview li bay depuis le mandat binuan renouvelé en juillet passé. Mais la Lime pat vle répondre sous possibilité pour ta gagner un gouvernement de transition dans le pays d'Haïti. Il dit l'idée ça c'est haïtien qui pour discuter yo, et c'est eux-mêmes qui pour joindre un consensus entre eux. Et parmi l'autre déclaration que il fait by journal là, il dit en aller dans question élection pour nous qui niveau stabilité nous capable joindre l'élection ça au fait. Après ça Binu pral envisager pour retirer col dans le pays d'Haïti, puisque nous pas là pour nous rester pour tout le temps dans le pays d'Haïti. C'est ça Hélène La Lime déclaré. Mais affirmation Hélène La Lime, est-ce que vous bien prend en compte l'élément contexte qui gagne aujourd'hui? Eh bien, l'on a regardé un éditorial qui sorti dans Washington Post. Eh bien, yo gade Haïti tant kou un pays kap descend l'an anarchie, l'an chaos sans rite, et c'est ça qui paraît comme perspective d'après comité éditorial journal Washington Post qui parlait de la mort à désespoir qui envahit Haïti, qui abaye en pile réfugiés aux États-Unis. Administration Biden a déjà expulsé plus passé 25 000 Haïtiens. Nous songez ça avec crise migratoire qui était gagnée par trop longtemps de ça. Et est-ce que administration américaine a pensé que le cas Kembe statu quo ça pendant que la ignoré trouble qui gagnait en Haïti? Jodia, c'est un peu approche Washington Post là qui parlait de vide de pouvoir qui gagne dans le pays d'Haïti, et ça vient contribuer là au chaos après que Jovenel Moïse fin mourir assassiné, pas gagné aucune élection qui fait depuis 6 ans dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que le gouvernement a manqué légitimité. C'est qu'à premier ministre qui a Ariel Henry, lui-même qui impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'est ça que le journal a écrit, et M. Kembe pouvoir avec appui Washington, mais ce n'est pas avec appui peuple haïtien qui bat Chalbari dans plusieurs occasions derrière Ariel Henry. C'est toujours le journal qui a souligné ça. Washington Post fait connaître que ça gain là, ça aurait les statu quo, li pap capable Kembe. Et si on monte à penser que faut quitter le détériorer toujours, eh bien c'est pas politique ou fait, c'est prend ou pas prend responsabilité. Nations Unies, Organisation des États américains avec gouvernement Cléo, y compris l'administration Biden lui-même, il doit faire face à effondrement Haïti, et il doit agir pour empêcher que gagne gros violence qui éclate et souffrance qui blaye plus dans le pays d'Haïti. Ça, c'est Washington Post. Il y a accepté de mettre pied dans la boue. Alors que violence gang yo a ravagé Haïti, eh bien, pays qui toujours by Haïti aide yo, y compris le Canada, yo paraît un peu réticent, yo soupinga yo pour yo ta impliqué yo véritablement en Haïti. Et c'est CBC News au Canada qui écrit pas gen moun qui envie vin fourrer pied yo dans la boue. Haïti, c'était sujet discussion dans les Nations Unies dans l'occasion 77e Assemblée Générale là, mais tu as gagné très peu de signes de la part de une série de pays pour t'a montré volonté pour engager yo dans le pays d'Haïti pour bailler ressources qui nécessaires pour capable rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti et pas de gagner en aucun signe de la part des puissances extérieures pour voyer propre moun pa yo, ressources humaines pa yo pour venir renforcer la police nationale en Haïti, police nationale là qui perd du pied devant gang yo. D'après ça, nous lit sous CBC News Haïti. C'est pas premier bénéficiaire mondial en ça concerne aide que Canada baille pays étrangers et ceci depuis longtemps puisque ça fait 10 ans Haïti c'était premier pays Canada te baille aide. Jodi a cependant, il toujours été premier pays que Canada baille aide au niveau de Amérique là. Parmi donateurs traditionnels haïtiens, c'est seuls les États-Unis qui baillent Haïti plus l'argent passé Canada d'après CBC News et présence canadienne nan Livin Tounen Lombraille salteye dans le passé. CBC News rapporté déclaration ambassadeur canadien qui dit que yo te dirigé mise en place un fonds Nations Unies de 30 millions de dollars américains pour sécurité dans le pays d'Haïti. Il dit que le Canada baille un tiers la donne, soit environ 10 millions de dollars. Et malgré financement ça, gang yo toujours avalé terrain dans le pays d'Haïti. Leur considérer ça que passé pendant dernier année ça yo, c'est toujours analyse CBC News qui considéré période depuis le Jovenel Moïse té mouri assassiné en propre chambre. Moïse qui lui-même tout était très impliqué d'après CBC News l'an favorisé gang yo développé pour 400 maozo et puis G9 en famille et alliés. Il dit tout parti tête Kalea lui-même que Jovenel Moïse sorti la donne t'est utilisé gang yo depuis longtemps pour exécuter une série de tâches pour le quartier pauvre dans le pays d'Haïti et yo te permettre que gang yo joigne en pile zam. C'est CBC News toujours qui fait connaître que en pile haïtien pas quoi que comme si ou ta gen on deux camps, on bord gen gouvernement et puis on l'autre bord gen gang yo. Pour yo gang yo avec gouvernement, c'est deux têtes ou même pouvoir qui mettaient la patte sous pays d'Haïti. Il y a des preuves évidentes d'après CBC News que gagne tête ensemble entre gouvernement avec gang surtout dans des massacres qui étaient faits. Peut-être que dans situation ça qui extrêmement difficile, seul point positif qui gagne sous scène pays d'Haïti d'après CBC News, c'est une alliance tout neuf qui paraît au niveau groupe société civile et qui proposait un gouvernement de transition pour permettre capable gagner de nouvelles élections dans pays d'Haïti. Haïti, c'était sujet donc ça t'a passé dans l'ONU pour assemblée générale qui se fait là en même temps tout le conseil de sécurité, mais qui est-ce qui paraît pour venir mettre pied dans la boîte? Personne d'après CBC News. Mais il y a l'autre question tout que vous avez posé la boussa qui est qui fait, est-ce que c'est haïtien pour compte yo?